عليكم. عيد مبارك سعيد على المغاربه كاملين. اليوم كنتواجدوا بالمقر السكن ديال السي سفير ديال محمد عامر، السي سفير ديال المغرب في بلجيكا. كاينين بزاف الناس معروضين اليوم باش يحتفلوا بهذه المناسبه ديال العيد. جينا نشوفوا الاجواء ديال العيد كيفاش دازت عند هاد الناس، وناخذوا الكلمه باش نشوفوا الاجواء ديال العيد واش بحال المغرب، واش كاين اختلاف، واش كانت اجواء عائليه، واش فوالا. دونك نشوفوا الناس كيفاش دوزوا العيد وكيفاش كانت الاجواء ديال العيد. الحمد لله هذا الشهر المبارك داز على احسن ما يرام. وحنا في السفاره قررنا باش ننظموا لقاء حفل المغاربه كما يقال لاحياء الرحيم، ونتمنى ان هذه السنه تبقى ثابته. وهذه المناسبه كنتمنى لكل المغاربه بهذا البلد الطيب، سواء اللي حضروا معنا او اللي ما تمكنوش يحضروا، كنتمنى لهم عيد مبارك سعيد. وكمناسبة كذلك كنتمنى لبلادنا والمغاربة جميعا عيد مبارك سعيد، ولبلادنا مزيدا من الاستقرار ومزيدا من النمو ومزيدا من التقدم تحت القيادة الرشيدة ديال جلالة الملك محمد السادس نصر الله. الحمد لله ça s'est bien passé, on a passé un très bon mois de Ramadan, un bon Eid, alhamdulillah. Et voilà, je souhaite entre famille comme toujours, oui, une grande fête qu'on a organisée à l'occasion. Donc c'était très bien. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Aide mon barak à tout le monde. Ah, que je vous والعيد كذلك عاوتاني عائلي، وكما زعما ما خصنا غير البلاد سينو كلشي مع العائله ومع الاصدقاء ايتو فوالا. دونك ربنا الحمد لله ما كيدوز بصبغه النهار طويل، سا سي لا رياليتي. دونك كيكون شويه صعيب على مع جالنا الصاد شويه، مي الحمد لله داكشي داز داكشي. والعيد كذلك ان توكا عيد مبارك الاكل لكل واحد. شكرا. عم تيمو العيد الى فيت دو العيد لو رمضان الى فيت دو الحمد لله سيتي ديفيسيل سيت اني افيك لي زور كي assez tard, oui. Mais le haq c'est surtout aujourd'hui qui est important, parce que hier surtout parce que c'était la fête de l'Aïd, c'est une communion comme on le voit ici avec l'invitation de l'ambassadeur. On voit bien que voilà, on est là entre nous, on est content de se retrouver et on est content d'avoir fêté le Ramadan qui fait penser à beaucoup de choses. Et c'est un peu différent qu'au Maroc, mais on essaye quand même de le faire d'une manière spirituelle ici en Belgique aussi. Voilà ce qu'on pense du Ramadan. Maintenant c'est fini, il faut aller vers l'avant. D'accord, merci beaucoup. Comment vous l'avez passé, comment ça a été en famille? C'est une fête d'abord familiale et puis nous l'avons fêtée hier en famille. Malheureusement juste entre sœur et mari, parce que les parents ont choisi le Maroc pour le fêter et eux le fêtent aujourd'hui. Donc voilà, on le fête un petit peu doublement. D'accord. Voilà, mais mbrouk aïdkoum à tous les musulmans d'ailleurs. Oui, donc voilà, donc pour nous pareil, c'était l'Aïd en famille, voilà, particulier, mais alhamdoulilah, c'est bien passé. Et donc aujourd'hui c'est l'Aïd pour les Marocains du Maroc, donc aïdkoum mubarak, donc à tous les Marocains et à tous les musulmans du monde, et vive le peuple marocain. Et vive l'humanité. Il a donc en famille, ça s'est très très bien passé, alhamdulillah. Au Ramadan, on a passé, ça s'est très bien passé, la chaleur et compagnie. Alhamdulillah. Voilà, alhamdulillah. Et l'Aïd, c'était en famille? L'Aïd, c'est toujours en famille. La famille, on va rendre visite aux familles, la famille vient à la maison. Mais ça s'est très bien passé, alhamdulillah. Donc, en plus, ça s'est bien passé, c'est un dimanche, donc on n'avait pas besoin de prendre congé pour... voilà. Merci. Donc d'abord déjà, mbrouk l'Aïd à tous les musulmans du monde et particulièrement aux Marocains de Belgique et du Maroc. On a passé un merveilleux Aïd. En Belgique, c'est toujours un plaisir. En plus, comme je suis de Molenbeek, on a vraiment une ambiance particulière à Molenbeek. C'était vraiment super. On a profité pour voir la famille, les amis. Alhamdulillah, on se plaint pas, c'était vraiment magnifique. Et là, on profite de ce magnifique recadre de la résidence de l'ambassade marocaine. C'est magnifique. Merci à monsieur l'ambassadeur pour l'invitation. Donc vraiment un très bon Aïd à tout le monde.
سي عبد القادر عيد مبارك سعيد. عيد تعاودي الصحه ولهنا. كيفاش دوزت؟ بخير وعلى خير ان شاء الله. امين بارك الله فيك. كيفاش دوزتوا العيد ديالكم؟ الحمد لله vraiment العيد سي سوبر بيان باسي en famille comme d'habitude la visite des amis maintenant avec les réseaux sociaux on a plus facile aussi pour passer les messages à tous nos amis à travers le monde et puis ce qui est vraiment très plaisant c'est l'initiative de son excellence monsieur l'ambassadeur où il a décidé où il a pris l'initiative d'inviter les Marocains du Nord les Marocains du Sud et du Centre, donc tous les Marocains de la Belgique, je vais dire pas tous les Marocains, mais la plupart qui sont actifs au niveau social et autres, se sont retrouvés et vraiment je félicite son excellence pour cette initiative. Là, Wallah, ça fait vraiment plaisir. Un petit mot pour l'Aïd, comment vous avez passé l'Aïd? Ça a été... C'était bien, c'était super, on a été invités par l'ambassadeur marocain et l'Aïd Moubarak à tous, à tous les musulmans du monde. De partout, de Molenbeek, de Bruxelles, de Paris, de Nice, de partout. Voilà. C'était super, on a fêté ça en famille, on a vu tout le monde, on s'est rencontrés. Voilà, comme vous voyez aujourd'hui, on est là avec l'ambassadeur du Maroc. Et alhamdoulilah, ça aide mon barak à tout le monde. Un petit mot. Mbarak à tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne journée en famille, entre amis, entre proches. Et voilà, je souhaite Mbarak à tous les musulmans du monde. On a passé un bon moment ici aujourd'hui en compagnie de l'ambassadeur qui nous a invités ici généreusement aujourd'hui. C'était un super moment de partage et on a rencontré plein de monde, ça fait plaisir à voir. Moi je parle pas, c'est bon. Je me dis quoi moi? Mabrouk Laït. Voilà. Voilà. Moi je suis contente parce que moi je suis pakistanaise. Et c'est la première fois que je vois comment ça se passe donc au Maroc, on va dire en quelque sorte Laït. Et voilà. Voilà, merci. Okay. Salam alaikum. C'est Shahid. Aïd Moubarak Saïd. Kifash douz tout l'aïd. Barak Allah fik. Alhamdulillah Rabbil Alameen. وكنتمناو عيد مبارك سعيد للجاليه المغربيه كلها اللي موجوده في بروكسل خاصه وعامه في بلجيكا وفي المغرب كذلك ومثال كنتمناو لهم عيد مبارك سعيد. عيد مبارك سعيد. بغينا نعرفوا سيادتكم كيفاش دوزتوا العيد وكيفاش دازت الاجواء ديال العيد. الحمد لله رمضان دوزناه بخير وعلى خير وجا العيد لاول مره داير العيد احتفلنا به مع السفير ديالنا سي عمر درنا واحد المفاجاه كبيره لان باش نديروا واحد الريزو لقنا مع ناس اللي كنا كنعرفوا ولا ما كنعرفوش من جميع الاحياء ديال بلجيكا وان شاء الله هذا الشيء غادي يكون يستمر كل سنه نبقاو نعيدوا هنايا كي بحال الدار ديالنا كبيره والحمد لله وكنقدم مبارك العيد للاخوان ديالنا المغاربه في الجميع والاخوان المسلمين في جميع العالم. السلام عليكم سي شاطر عيد مبارك سعيد. علينا وعليكم ان شاء الله الله يدخلوا علينا وعليكم ان شاء الله بالفرحه والسعاده وما تمناوا وعلى جميع المغاربه اللي مقيمين في المغرب واللي في الخارج كذلك كلهم ونتمنى ان شاء الله الله سبحانه وتعالى يجمع الشمل تاعنا ونشكروا سعاده السفير على هذه المبادره الطيبه اللي اجتمعنا عنده هنا وكثير من الوجوه اللي ما شفناهمش وشفناهم يعني نتمنى ان شاء الله يتكرروا يعني هذه اللقاءات بحال هذا النهار. دابور عيد مبارك سعيد. Un petit mot, comment vous avez passé l'Aïd ici en Belgique? Alhamdulillah, c'était une année un petit peu éprouvante, mal à la chaleur, etc. Donc c'est un secret de polichinelle que de dire que ça n'a pas été très facile. Mais alhamdulillah, on est au bout et chaque année on se dit bah, le mois béni passe à une vitesse VV prime. Et en tout cas, je souhaite à tous nos amis de MRE 24, à Mabrouk Eid Koum, bien évidemment. Et voilà, que le bonheur soit évidemment au quotidien de tous nos auditrices et auditeurs. Et puis l'avantage cette année, c'est qu'on pourra profiter pleinement du Maroc. Ceux qui rentrent au Maroc cette année, ben, ils auront 2 mois, Inch'Allah. Contrairement aux autres années où on se posait cette question existentielle, est-ce que je vais aller au mois de juillet ou au mois d'août, à cause ou grâce au Ramadan, mais à de l'Aïm, Inch'Allah, ben, on aura les 2 mois. Et vous, comment s'est passé l'Aïd? Très très bien, comme vous. La famille est au Maroc, mais on a passé entre amis. Ça a été très bien, très bien. Mes salutations à votre famille qui certainement sont à l'écoute, et ainsi qu'à toute ma famille de Casablanca qui se reconnaîtront, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fik, shukran.